Salut à tous, c'est Jamini. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V. Ce sera pas une vidéo Mister cette fois-ci, une vidéo un petit peu what the fuck. C'est-à-dire que sur Vinewood Boulevard, on s'est rendu compte en live qu'il y avait 15 personnages, il y a 15 personnages spéciaux à rencontrer dans GTA. Et l'un d'eux, merci de m'écraser, l'un d'eux est une actrice qui apparemment serait une actrice pornographique. Elle aurait fait pas mal de films porno. Elle s'appelle Pamela Drake. C'est une actrice qui, dans l'absolu, apparemment, aimerait bien coucher avec Michael. On va lire ce qu'elle dit. Vous avez vu Ven Victoire, Dickie et moi étions si proches. Je me rappelle ce dialogue. Madeleine, vous ne faites pas votre âge. Certes, Théo, mais je suis assez vieille pour être votre belle-mère. Rangez donc votre petit oiseau. Il en faut plus pour m'impressionner. Je vais mettre bien en face d'elle pour voir son visage. Vous allez voir qu'elle a un livre. Que deviennent les solitaires, les briseurs de cœur, une fois que le temps les a privés de leurs atouts? Donc vous allez voir, elle a certains dialogues normaux et elle a certains dialogues qui tirent énormément sur le sexe. Qui peut me répondre? Elle va aussi expliquer certaines anecdotes de sa vie. Que deviennent les fleurs fanées, les gloires passées? Ne sommes-nous bons qu'à devenir des souvenirs qu'on met sous clé dans un placard? Écoutez-moi bien, John Malone. Elle est jeune, mais elle ne vaut pas mieux que moi. Donc là, vous voyez clairement qu'elle ressort des dialogues de film. Vous pouvez en être sûr. Donc c'est une ancienne actrice, elle s'appelle Pamela Drake. Magnifique, j'ai oublié le reste, mais c'était magnifique. Donc voilà, ça c'était un dialogue. Vous allez voir qu'au niveau des anecdotes, elle va quand même dire qu'elle a couché pour réussir et après elle va même proposer à Michael de coucher avec elle. Vous vous souvenez du pervers du bordel? Voilà, le titre est assez explicite. Un très grand film. Vous vous souvenez de cette salope irrésistible qui pique Malcolm Rotherly à Rosemary Headston? C'était moi. Moi. Mais regardez ce que je suis devenu. Je suis une vieille chouette. Une sorcière. J'ai pourtant fait appel à la chirurgie, mais rien n'y fait. Le temps est impitoyable. Encore une fois, elle raconte certaines anecdotes, comme là elle recommence en disant: à l'époque, je m'envoyais le garçon de piscine pour m'échauffer avant de rencontrer le directeur de casting, qui me sautait à son tour pour vérifier que j'étais assez bonne pour le réalisateur. Tout ça pour décrocher le rôle d'une nonne. Donc vous voyez que là, clairement, elle dit qu'elle a couché pour réussir. C'était vraiment l'âge d'or de Vinewood. Moralité de façade et débauche à huis clos. Ça, tout le monde sait que la plupart des actrices ont dit que pour Hollywood, pour réussir, elles doivent coucher. Là, elle dit: gardez votre yoga. J'ai couché pour réussir. C'est un indice intéressant car apparemment, elle revient sur le yoga en disant qu'elle n'a pas fait de yoga, elle a couché pour réussir. Sinon, il faut faire du yoga pour réussir. Je ne suis qu'une fleur fanée dans un vase sans eau. Je vous aime, Donald Anderson. Je vous aime de tout ce qui est de bon et honnête en moi. Si vous me quittez, je n'y survivrai pas. Ensemble, nous formons une si belle harmonie. Ça, c'était de la poésie. Vous n'avez probablement même pas vu ce film. Ah, quelle merveilleuse époque. Ce pays avait le goût du succès de mon temps. Nous savions encore gagner nos guerres et créer des stars. Je n'ai jamais atteint le sommet, mais j'ai quand même frôlé la gloire. Donc c'est quand même une artiste ratée malgré qu'elle a couché pour réussir. Je jouais secrétaire dans le Nicaraguayen. Le réalisateur voulait coucher avec moi. Encore une fois,
Pour être honnête, il a eu ce qu'il voulait. Il n'a pas dû attendre longtemps. C'est clairement une fille facile, de plus vu les titres de certains films. C'est clairement une actrice pornographique. Où elle a fait des films pornographiques. Vinewood est une ville très cruelle, croyez-moi. Très cruelle. Je voulais me jeter du haut du panneau, mais j'ai le vertige. Et je suis une battante, une gagnante. Il fut un temps où la moindre de mes sorties pouvait paralyser la ville. Aujourd'hui, l'ambulance ne te déplacerait même pas. Ils me laisseraient mourir si je sautais. Mais peu importe. J'ai mes souvenirs, pardon. Enfin, vous allez voir, elle va continuer. Vous n'aimez pas le cinéma, vous n'aimez pas les stars. Vous aimez ces femmes au foyer qui exposent leurs intérieurs dans ces revues minables et ces hommes au torse rasé qui vous parlent de remise en forme. C'est pitoyable. Vous ne sauriez pas reconnaître une star si elle sautait votre mari et bouffait votre chien. Pas étonnant que cette ville soit morte. Comme vous voyez, elle en veut un peu à tout le monde, à l'évolution. Ces maudits comptables font la loi dans cette ville. Ils n'entendent rien à l'art, ils ne comprennent rien aux stars. Je me demande parfois s'ils savent même compter. Ils ont tout gâché, ils ont brisé nos rêves. Vous voyez qu'elle parle énormément. Là, on vient d'entendre un piéton qui disait « Il y a des célébrités qui conduisent ici. » Pas étonnant que cette ville soit pleine de sectes et de gens. Seul et désespéré, vous n'avez plus d'idole à adorer. Donnez-moi un vrai héros américain. Donnez-moi un gay refoulé qui fait semblant d'affronter les Japs dans un studio de cinéma. Et nous conquérons le monde. Partie de son discours, c'est quand même du n'importe quoi. Elle reste bloquée dans les vieux films, dans les vieilles années. Le monde appartient aux amoureux, mon chéri. Là, elle est repartie dans des dialogues. Il est fait pour moi. Ça ne vous évoque rien, pauvres ignorants. C'est triste de voir ça. Retournez donc à vos maudits robots et à vos distractions débiles. À chaque fois, entre chaque dialogue, il y a toujours un petit blanc. Vous êtes là pour voir des vedettes, pauvres moutons. Eh bien, vous en avez une sous les yeux. J'ai été une vraie comète dans le ciel d'Hollywood, de Vinewood, pardon. C'était il y a longtemps, quand le cinéma n'était pas qu'une basse affaire de marketing. Mes rides sont des rides d'expression, mes chéris. J'ai beaucoup ri dans ma vie. C'est vrai, la chance a tourné, mais j'ai été une vraie star. Une reine de Vinewood. J'ai même été à Star Junction. Une salope à Paris a été écrite pour moi. Vous voyez, encore un film de film X. Les producteurs m'invitaient à dîner avant de me sauter sur un coin de canapé. Et le lendemain, je dansais devant les caméras. Donc, comme vous le voyez, c'est très explicite ce qu'elle raconte. Et je vais vous montrer aussi que, en parlant avec elle, quand on est avec Michael, vous allez voir qu'à la fin, elle lui propose de coucher avec lui. Les choses étaient bien différentes en mon temps. Vous vous souvenez de guerre sur la bourse? Maintenant, vous allez m'écouter, Mr. Billingsgate. Je me moque que ça vous plaise ou non. Je vais acheter ce poney, un point, c'est tout. Je veux mon poney. Fabuleux, j'aurais dû décrocher une statuette. Donc, on va lui parler. Bonjour, comment ça va? Mal, mon cher, très mal, mais le spectacle doit continuer.
J'ai l'impression de vous connaître. J'étais une star, mon cher. Une très grande star. Oh non. Oh oh, Nelson à Naples. J'étais une fille de cuisine de Dame Hamilton. Vous voyez, les navires arrivent, mais les murs tiendront. Donc là, Michael, effectivement, aussi connaît les dialogues. Oh madame, comment vais-je faire? Je ne parle pas français. Michael est un grand fan de vieux films de cinéma. Soyez noble, digne et juste. Pour l'Angleterre. Ah, ils n'en font plus des comme ça de nos jours. C'est vrai, désolé de vous avoir vu dans une situation aussi difficile. Et là, elle lui dit, difficile, oui, réduire à faire la manche dans la rue. J'ai encore 3 majordomes. Je ne suis là que pour me faire remarquer. Je n'ai pas encore raccroché, ce qui veut dire qu'elle travaille encore comme actrice. Je suis prête à tout accepter, même un porno. Vous voulez voir mon minou? Sans façon. Et là, elle dit, je viens juste de me le faire refaire. Michael lui dira alors, bonne journée à vous. Donc, quelques informations rapides. Pamela Drake est donc une actrice en déclin. C'est un personnage mineur apparaissant dans GTA V. Elle peut être trouvée, comme vous l'avez vu, sur Vinewood Boulevard, en train d'essayer de récupérer sa gloire passée et d'attirer l'attention des magnats des films ou autres, récitant les lignes de ses anciens films d'une époque révolue. Si le joueur parle avec Pamela comme Franklin, elle mentionne enfin ce qu'elle est sur le point de faire et que le réalisateur veut probablement avoir des relations sexuelles anales avec elle, au grand dégoût de Franklin. Si le joueur parle avec Pamela comme Trevor, il la complimentera sur sa beauté. Et enfin, s'il le fait avec Michael, il reconnaîtra le film Nelson à Naples et ils les réciteront enfin tous les deux les dialogues. Et comme vous l'avez vu, elle essayera même de coucher avec lui. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao !